donc du coup je reviens du sport et pas maquillée, non c'est plus. Je pensais à certaines choses et j'avais envie de les partager avec vous. Voilà, tout simplement. Je me suis dit qu'on allait parler simplement, honnêtement, en face à face, posé, par terre, sur le tapis, tout doux, que j'adore. Ouais. Pour vous expliquer un petit peu plus, en fait je pensais à certaines choses parce que actuellement dans ma vie je suis un peu à une étape où j'ai l'impression d'être au milieu d'un océan. Je rame, mais je vois pas le bord, je vois pas la terre, il y a de l'eau à perte de vue, je sais pas si je suis dans le bon sens, je sais pas si je suis dans la bonne direction, je sais pas si je tourne en rond, je sais pas, je sais rien du tout. Et je pense que j'ai jamais été dans cette situation là. Pour autant, je continue de ramer. Tous les jours, je rame, je me lève, je rame. Et j'ai gardé l'espoir que un jour je verrai la terre, en fait, tout simplement, et je me dirai, ok, c'était la bonne décision, t'es dans la bonne direction, alors continue et va chercher cette terre. Mais bon, voilà, en gros, c'était un peu, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel je me trouve aujourd'hui. Et du coup, j'en finis à cette question, plutôt cette affirmation, en me disant, pourquoi est-ce que je fais toujours les mauvais choix? Et juste en me posant cette question, ou en me disant cette affirmation, j'ai réalisé qu'il fallait que j'arrête tout de suite. Parce que je ne pense pas faire de mauvais choix. Je m'explique. Pour situer un petit peu, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Mais dans une journée, on fait à peu près 1000 choix sur la journée. 1000 choix, c'est énorme. Ça peut être le choix de se lever à 7h au lieu de se faire une nuit. Ça peut être le choix d'aller au travail en voiture plutôt qu'en transport en commun ou l'inverse. Peu importe, en fait, c'est le choix de prendre à manger. On fait beaucoup de choix. Et pourtant, il y a des choix qu'on fait dans notre vie pour lesquels on a l'impression que ça va complètement bouleverser la vie. Et d'ailleurs, ça va bouleverser la vie pour certains. Le fait de faire un enfant ou pas, de se marier ou pas, de faire quelque chose. Ou une autre, de vivre dans cette ville, d'accepter quel job. Bref, il y a ce genre de choix qui font que, ils ont beaucoup plus d'importance que les autres choix du quotidien. Pour ma part, j'aime regarder un peu avec recul les choix que j'ai faits et voir où ils m'ont amené. Pour expliquer, donc, j'ai suivi le flow hein, jusqu'à la fin de mes études. Et puis, j'ai décidé de quitter la Belgique pour aller en France. Tout d'abord, j'ai été à Paris. À Paris, j'ai rencontré quelqu'un avec qui ça n'a pas marché. Du coup, quand on m'a proposé un job à Marseille, j'ai dit oui, en me disant super, ça va m'éloigner. Donc, je suis allée à Marseille avec deux numéro 1. Et à Marseille, j'ai rencontré une autre personne. Et pour autant, en parallèle, job numéro 1 n'a pas vraiment fonctionné. Donc, j'ai pris job numéro 2 qui m'a laissé à Marseille pendant tout un temps. Puis, je suis partie à Nantes. Avec le job numéro 2 qui m'a envoyé à Nantes. Et l'année dernière, j'ai arrêté le job numéro 2 et avec la personne qui a été terminée ici. Et actuellement, je suis à Paris. Et je vois pourquoi certaines décisions ont fait que je suis contente d'avoir été à Marseille, je suis contente d'avoir pris le job numéro 2. Etc. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand je regarde, je me demande si j'ai pas merdé quelque part en fait, et si je suis pas en train d'aller de droit à l'ennui. Et je sais au plus profond que moi que non, c'est juste des phases un peu qu'on voit pas la terre pendant super longtemps, on a des phases de doute. Et pour autant, je sais que plus tard, je regarderai ce choix d'aller à Paris et je me dirai. T'as fait le bon choix parce que le fait d'aller à Paris, ça t'amène là, etc. Et du coup, je pourrais continuer un peu mon flow comme ça. Et c'est sûr que ça me portera des domaines en fait, mais auxquels j'aurai encore des réponses. Et bref, j'en suis venue à la conclusion que, en fait, on ne peut jamais faire de mauvais choix. Parce que je ne sais pas si vous êtes dans cette situation-là également, mais je pense qu'on a tous des moments de doute. Et pour autant, tous les choix qu'on fait ne sont pas nécessairement de mauvais choix. Première chose, c'est. Le fait de prendre des décisions, ça nous permet de créer notre propre vie. Je m'explique. Donc, jusqu'à la fin de mes études, j'ai suivi le flow. C'est-à-dire que j'ai pas pris la décision d'aller à gauche ou à droite, c'est-à-dire que j'ai fait l'école, comme tout le monde.
j'ai fait mes 5 ans d'études qui sont courantes dans l'environnement dans lequel j'étais. Donc j'ai fait mes études, mes 5 ans. J'ai fini et puis juste prendre la décision de quitter la Belgique pour aller en France. Ça a été une première grosse décision. Et finalement, c'est à ce moment-là que j'ai pris ma vie en main et que je suis sortie des rails et que j'ai décidé de faire mon propre chemin et qu'on arrêtait de décider pour moi. Parce qu'avant, c'était plus mes parents qui décidaient pour moi, comme n'importe qui. Mais du coup, prendre la première grande décision, ça a été de créer ma vie, en fait, tout simplement. Deuxième chose, c'est que je suis quelqu'un qui vit par. Qui vit avec son cœur, on va dire ça comme ça. Je suis quelqu'un de passionné, vraiment, et je fais les choses à 100%. C'est bien la raison pour laquelle je rame, mais j'arrête pas. Hein. Je sais pas où je vais, mais je continue d'y aller. Mais quoi qu'il en soit, je pense que le fait de faire les choses avec beaucoup de cœur et beaucoup d'envie, beaucoup de passion, ça aide énormément. Ensuite, je pense sincèrement qu'il n'y a aucun échec. Je pense au plus profond de moi que un échec n'est pas vraiment autant aussi négatif qu'on l'entend. Un échec, ça me fait apprendre des choses. J'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie. Mais finalement, avec le recul, je préfère avoir des échecs plutôt que continuer de me demander où est-ce que je vais aller en fait. Je vois si vous voyez ce que je veux dire. Je préfère avoir des échecs et me dire ok, j'ai essayé ça, ça ne fonctionne pas. Bah, c'est pas grave. Moi, je sais que cette porte-là, elle est fermée. Plutôt que de continuer d'ouvrir des portes qui fonctionnent, et puis finalement aller tellement loin qu'on se prend un mur, je préfère me prendre dès le départ et me dire ok, je change de direction, je vais pas dans celle-là, je vais dans celle-là. Je trouve que ça donne beaucoup plus de directives et ça nous apprend beaucoup plus sur nous, sur ce qu'on veut réellement. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'échec. Pour moi, soit on réussit, soit on apprend. Un autre point relativement important, c'est que je trouve que les mauvaises décisions, encore une fois, il n'y en a pas pour moi, mais les mauvaises décisions permettent de nous connaître beaucoup plus. C'est-à-dire que parfois, en fonction de l'échec, on peut le prendre plus ou moins fort. Il y a certains échecs que j'ai vécu, que j'ai pris extrêmement à cœur, contrairement à ce que j'aurais pu croire, et d'autres, au contraire, que j'ai pris beaucoup plus légèrement, et j'aurais pas cru. Donc voilà. Mais ça m'a permis de me connaître en fait, ça m'a permis de comprendre pourquoi certaines choses je les prenais aussi à cœur, pourquoi d'autres je les prenais plus légèrement, comprendre réellement ce dont j'avais envie, ce dont j'avais besoin dans ma vie, et du coup de voir un peu plus où j'y vais, tout simplement. J'ai réalisé qu'en fait les décisions relationnelles me touchaient beaucoup moins que les décisions professionnelles. Et du coup en fait ça m'a fait réaliser que pour me sentir complète, en tout cas, enfin full, j'accordais en tout cas une plus grande importance à ma vie professionnelle qu'à ma vie relationnelle. Ce que j'aurais pas cru. Et du coup, mais en fait, le fait de faire des mauvaises décisions, le fait de prendre des mauvaises décisions plutôt, c'est plus français, ça m'a fait réaliser à quel point mon côté professionnel était extrêmement important pour moi. Et c'est pour ça que c'est sur quoi j'accorde toute mon attention pour l'instant. Tout simplement parce que c'est ça mon but ultime pour l'instant. Enfin, mon but actuel, c'est celui-là. C'est mon but professionnel et non relationnel. Alors, s'il y a du relationnel qui rentre, bien sûr, je vais pas cracher dessus. Mais le professionnel est beaucoup plus important pour moi que le relationnel. Et voilà, c'est le fait de prendre ces mauvaises décisions qui m'a fait réaliser ça. Je prenais beaucoup plus à cœur des mauvaises décisions professionnelles que relationnelles. Et ça m'a appris beaucoup sur moi, en fait. Et du coup, rien que pour ça, je suis extrêmement reconnaissante parce que j'ai appris à beaucoup plus me connaître par rapport à ça. Donc voilà. Et le dernier point, c'est que pour moi, il n'y a pas vraiment d'échec. Enfin, l'échec n'existe pas au sens aussi négatif qu'on l'entend. Pour moi, dans la vie, il y a deux choses. Soit on réussit, soit... Eh bien, on apprend, tout simplement. Et à vrai dire, je préfère échouer relativement tôt
Parce que j'ai cette image qu'on rentre dans une pièce avec deux portes, on en choisit une des deux, ok, elle est bonne, donc on continue, on a un autre choix de pièce, deux portes, pardon, on avance, on rechoisit une porte, etc. Et on avance, on avance, on avance. Je trouve ça plus douloureux de se prendre un mur quand on est loin, en fait, plutôt que dès le départ. Parce qu'on peut se dire, bon bah ok, celle-là elle était mauvaise, j'ai appris, je vais faire celle de l'autre. Bref, je trouve ça plus... plus facile dès le départ, et quoi qu'il en soit, que ça soit tôt ou tard, peu importe, je trouve que tout échec ne doit en aucun cas vous laisser imaginer que vous pouvez baisser les bras, parce qu'il n'y a pas d'échec, les autres s'en foutent, c'est-à-dire que personne ne va vous montrer du doigt parce que vous avez échoué. Et puis au moins vous apprenez ce qu'il ne faut pas faire, ce qui ne fonctionne pas. Et je trouve ça hyper gratifiant, plutôt que quelqu'un qui ne prend jamais le risque de faire quoi que ce soit et qui finalement ne le saura pas, qui vit dans son confort et qui avance comme ça tout le temps en fait, non-stop, et qui prend aucune décision et qui se laisse porter par la vie. Voilà, personnellement je trouve ça plus gratifiant et c'est comme ça que j'ai envie de vivre ma vie. Donc voilà, cette vidéo est un peu brouillon, je suis désolée, j'ai pas vraiment préparé ou quoi que ce soit, ça venait du fond du cœur. Mais tout ça pour dire, je sais pas si vous avez déjà été dans cette situation. Mais je voulais juste dire que vous n'êtes pas seul, il y en a beaucoup d'autres qui sont comme ça et je vous espérais que je ne suis pas la seule. Mais faut garder espoir et encore une fois, je suis quelqu'un qui croit que il faut continuer quoi qu'il arrive. Pour autant, il faut apprendre de ses erreurs pendant, c'est-à-dire qu'on peut essayer des choses, se dire ok, celle-là ça fonctionne pas, j'en fais une autre. Mais en gros, changez vos plans, mais ne changez jamais le but final. Je trouve que c'est extrêmement important pour réussir, pour aller là où vous avez envie. Et pour ma part, et ça n'engage que moi, mais je préfère sincèrement mourir en me disant que j'ai tout échoué, mais qu'au moins j'ai tout essayé, plutôt qu'être sur mon lit de mort et me dire « Et si j'avais essayé ?» Voilà, c'était le mot de la fin. En tout cas, bah, j'espère que je suis pas seule. Je pense pas être seule. Mais si c'est le cas, bah, mettez-moi un commentaire en bas, ça me ferait plaisir. Et puis, je vous promets que la semaine prochaine, je vais vous retrouver avec une vidéo un peu plus sympa, un peu plus joyeuse, quoique celle-là n'était pas nécessairement déprimante, hein, loin de là, un peu plus personnelle. Mais bref, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, si vous voulez un peu plus de vidéos dans ce style-là, un peu plus... pas prise de tête, je m'assieds et je parle, ben un petit pouce ça ferait plaisir, ça serait super sympa. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, tout ça tout ça. Bref, je vous souhaite une bonne journée, soirée, peu importe quand vous regardez ça, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.